Dieu n'est pas un chrétien. J'habite le nom de Dieu. La lumière apparaîtra. Zal het licht opkomen. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est ons thème van vandaag. Et nous allons ensemble ouvrir nos Bibles. We gaan samen onze Bijbels open. Dans le livre de Zacharie chapitre 14. We zijn in Zacharia 14. Nous allons lire deux versets. We gaan twee versen lezen. Zacharie 14. Zacharia 14. Verset 6. Vers 6. Jusqu'au verset 7. Tot vers 7. Alors en ces jours-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et l'Église disons Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ce chapitre 14 de Zacharie, hoofdstuk 14 van Zacharie, dans beaucoup de Bibles, in heel veel Bijbels, les théologiens l'ont appelé, ils l'ont titré, dus ze hebben het genaamd, les jours de l'Éternel, de dag van de Heer, les jours de l'Éternel, de dag van de Heer. Ça veut dire que dans ces chapitres-ci, het wil zeggen dat in dit hoofdstuk, on est en train de décrire, zijn we aan het beschrijven, une action, een actie aan het beschrijven, qui va se faire dans le ciel et sur la terre, die gaat gebeuren in de hemel en op aarde, et dans cette action, en in die actie, l'Éternel Dieu, de Heer, le Tout-Puissant, de Allerkrachtige, il rentre en jeu, hij gaat terug in spel, il rentre en activité, hij gaat terug in activiteit, il a laissé un temps, hij heeft een tijd gehad, où les choses étaient différentes, waar de zaken il a laissé waren, un temps, hij heeft een tijd il a observé, hij heeft geobserveerd. Et les habitants de la terre, de inwoners van pendant aarde, que Dieu était en train d'observer, de Heer aan het observeren, ils ont eu peur. Hadden ze schrik. Ils ont dit, Dieu nous a laissé. Ze zeiden, de Heer heeft ons Dieu nous a abandonné. De Heer heeft ons verlaten. Pourquoi? Waarom? Parce que quand Dieu était en train d'observer, want wanneer de Heer aan het quand Dieu était was, en train de regarder, wanneer de Heer aan het kijken sur la terre, op aarde, il y avait les chaos. Dan was er niks. L'ennemi ravagé. Dus de vijand kwam om ons opnemen. De vijand kwam om te slagen. Er waren zorgen. Il y avait des pleurs. Er waren mensen die aan het huilen waren. Mensen hadden zorgen. Mensen waren aan het roepen. Alors arrivons au verset que nous venons de lire, le verset 6. En wanneer we hier aankomen op verset. Alors en ces jours-là. Dus op die dag. Il n'y aura pas de lumière. Er zal geen licht zijn. Ça sera les ténèbres. Het zal een duisternis zijn. Het zal een duisternis zijn. Et on précise. En we gaan nog een naam brengen. Il y aura du froid. Er zal koud zijn. Dans la version d'Arby, on dit il y aura du gel. Men zegt er zal een vorst zijn. J'ai l'impression que dans ces verset, on est en train de nous décrire un épisode apocalyptique. Ik heb de indruk dat ze le froid, een apocalyptus aan het voorstellen. Les gel, dus wanneer het les cris, la souffrance, mensen die lijden. Mais écoutez, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, ce sont des choses qui se font. Maar luister, zelfs als je het niet met de ogen. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cet épisode-là. In de wereld van vandaag zijn we in dat hoofdstuk. L'obscurité envahit le monde. Dus er is een duisternis op de aarde. Les ténèbres est en train de sévir. Wij zien dat de duisternis alles aan het ontnemen is. Dans quelle maison les gens ne pleurent pas? In welk huis zijn er geen mensen dans aan het huilen? Dans quelle ville il n'y a pas ah, Nzambenanga? In welke stad is het niet van oh nee, oh nee. Chez qui il n'y a pas de point d'interrogation? Bij wie zijn er geen vragen? La Bible dit il y aura des glaces. De Bijbel zegt dat er een vorst zal zijn. Plus de chaleur. Het wil zeggen dat er geen warmte zal zijn. Que la chaleur, c'est la vie. En we weten dat de warmte het leven et quand is. Le froid commence à rentrer, c'est la mort en wanneer het koude komt, dan is het de dood die komt om te installeren. Alors, dus, verset 7. Vers 7. Ça sera un jour unique. Het zal een unieke dag zijn. Ça veut dire que Dieu dit, il n'y aura pas un jour comme celui-là. Ça sera un jour terrible. De Heer zegt dat er geen dag zal zijn als de mais het zal un jour, maar een dag. Mais un jour, maar één dag. Connu de l'Éternel. Die gekend is door de Heer. Je m'arrête, je me dis, mais Seigneur. Ik sta stil en ik zeg, maar Heer. Pourquoi tu dis ça? Waarom zeg je dit?
Malgré le chaos qui est décrit dans Zacharie 14 ici. Dus ondanks de chaos die geschreven staat. Ma Bible à moi me dit. Mijn Bijbel zegt. Que c'est un jour connu de l'Éternel. Dat het een dag is die gekend is door de Heer. Je vais te dire bien aimé là où tu es. Ik wil u zeggen geliefde daar waar je. Malgré le chaos que ta vie peut traverser. Ondanks de chaos dat je leven kan gaan. Malgré les difficultés que tu peux traverser. Ondanks de moeilijkheden dat je nu kan doormaken. Malgré l'obscurité que tu peux traverser. Ondanks de duisternis dat je kan voorbij gaan. Malgré les gels et le froid que tu peux traverser. Ondanks die koude en die vorst dat je kan voorbij gaan. Souviens-toi de ceci. Herinner u van dit. C'est un jour connu die gekend is door de Heer. Je ne sais pas ce que tu vis. Ik weet niet wat je aan het meemaken bent. Comme j'ai l'habitude de dire. Zoals ik de gewoonte heb. Je ne suis pas prophète. Ik ben geen profeet. Je suis un révérend pasteur. Hij is een pastoor. Mais le Seigneur nous équipe, nous ses serviteurs, des dons et des ministères. Maar de Heer heeft een ministerie en gaven om het onderricht te kunnen geven. Car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Een volk zonder revelatie is een volk zonder frein. Maar maak je geen zorgen. Il n'y a pas de devin. In de kerk zijn er geen wijzen. Dans l'église c'est la parole de Dieu. Het is het woord van de Heer. Et Dieu là te connaît. En die Heer die kent et u, en die Heer die weet dans ta vie, dat nu in uw leven l'obscurité sévit, dat er een duisternis is gaan opkomen. Er is een duisternis aan het opkomen. De vreugde is weg. Y a les chaos. Er is een chaos. Dieu sait. De Heer weet het. Nous vivons dans un monde où nous voulons tout le temps sauver les apparences, je vous avoue. Wij leven in een wereld waar wij altijd het schijn willen. Dans cette Europe, tu ne veux pas que les gens sachent que tu as des problèmes. Jij wilt ook niet dat mensen weten. Alors qu'est-ce que nous faisons? Dus wat doen wij? Nous gardons nos problèmes à l'intérieur de nous. Wij gaan onze problemen in ons houden. Et nous nous disons Seigneur, où es-tu? Heer, waar ben jij? Rappelez-vous de ce que j'avais dit le dimanche passé. Herinner u wat ik vorige zondag là dans les secrets dont Dieu voit. Daar in het geheim. Il connaissait ce qui s'est passé dans la vie de Zachée et que les gens ne connaissaient pas. Hij wist wat er gebeurde in het leven van Zachée. Dieu voit et il sait. De Heer ziet het en hij weet. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer notre prédication. Dus we gaan verder met de prediking. Un jour connu de l'Éternel. Een dag die gekend is door de Heer. Le psalmiste David a dit. De psalmist David zei. Je te loue, Éternel. Heer, ik loof u. Parce que tu es merveilleux. Want u bent schitterend. Tu me connais plus que moi-même. Je kent me beter dan mezelf. Et tu connaissais tous les jours de ma vie. En je kende alle dagen van avant qu'aucun d'eux n'existât. Zonder dat een van die dagen bestond. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Zonder dat een van die dagen bestond. Dieu, tu connaissais tous les jours de ma vie. De Heer, je kende alle dagen van mijn leven. Tu connaissais tous mes lundis. Je kende al mijn maandagen. Tous mes mardis. Je kende al mijn dinsdagen. Jusqu'à tous mes dimanches. Zelfs tot mijn zondagen. Tu connaissais tous mes janvier. Je kende al mijn januari. Mes februari. Jusqu'à tous mes décembre. Tot zelfs december. Tu connais toutes mes années. Je kent al mijn jaren. Depuis que je suis né. Van sinds ik ben geboren. Jusqu'aujourd'hui en 2016. Tot vandaag tot mon Dieu me connaît. Heer kent mij. Bien aimé dans le Seigneur. Rappelle-toi toujours de ce que la Bible déclare. Que ton Dieu connaissait tous les jours de ta vie. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Voordat al die dagen bestond. Le jour où les larmes ont coulé de tes yeux. Ton Dieu n'était pas ignorant. Ton Dieu n'était pas sans savoir. L'Éternel sur son trône il voyait. Et il savait. Dans ce jour-là. Tu verserais. Dat je een traan zal laten. J'aime la Bible, vous savez. Ik hou van de Bijbel, weet je. Il est écrit. Er staat geschreven. Ma fille, traduis-le exactement comme je vais dire. Les jours du déluge. De dag waar dat er een duisternis komt. L'Éternel était sur son trône. Was de Heer op zijn troon. Quelqu'un a déjà entendu ça? Heeft er iemand dit al gehoord? C'est pas moi, c'est dans vos Bibles. Het is niet ik, het staat in jullie bijbel. Les jours du déluge. De dag wanneer l'Éternel Dieu était où? Waar was de Heer? Répondez-moi. L'Éternel était où? Waar was de Heer? Les jours du déluge. Jésus était où? Waar was Jezus? Il était où? Waar was hij? Et dites-moi, il faisait quoi? En wat deed hij? Il était aussi noyé. Was hij daar? Wat deed hij? Il était aussi en train de chercher à se cacher. Was hij ook aan het zoeken? Est-ce qu'il tremblait? Was hij aan het zoeken? Non. Nee. Les événements de la terre ne font pas trembler mon Dieu. De evenementen van de aarde. C'est que je peux vivre comme chaos. Wat ik als chaos kan leven. Zoals moeilijkheid. Comme maladie. Als ziekte. Comme combat. Als strijd. Comme adversité. Als tegenstander. Comme manque. Als mis. Comme pauvreté. Als alles wat armoede. Comme lutte. Als strijd. Comme tout ce que je peux vivre. Alles wat ik kan meemaken. Il y a rien qui perturbe mon Dieu. Er is niets dat mij hier zal verstoren. Hij is op zijn troon
en hij heerst. En d'autres termes, il a tout sous son contrôle. Met andere woorden, hij heeft alles onder zijn controle. Alors regardez la suite de ces versets. En kijk het vervolg van deze vers. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Het zal een unieke dag zijn gekend door de Heer. Et qui ne sera ni jour ni nuit. En het zal nog dag, nog nacht zijn. Vers le soir. Maar naar de avonduren. On a dit mais. Maar. Quand on parle français. Wanneer dat we in het Frans spreken en er staat een maar, mais annule tout ce qui était dit avant. Maar gaat alles weghalen wat nous er voor werd gezegd. Dat weten we niet waar. Mon frère, mijn broeder, quelqu'un peut te regarder, iemand kan naar jou kijken et dire, ah, frère, en kan zeggen, ah, mijn broeder, oza bonzinga. Dus, tu es beau. Je bent mooi. Bana poto. Tu es beau. Je bent mooi. Tu rayonnes. Je schijnt. Tu brilles. Je bent aan het schijnen. Tu es intelligent. Je bent slim. Mais. Maar. Défaut na yo kaka. Maar uw gebrek. Je bent een dief. Donc le mail là a tout annulé. Alles weggehaald. Vous comprenez? Begrijpen jullie dat? Ma soeur. Mijn zuster, tu es merveilleuse. Je bent schitterend. Tu es une bonne chrétienne. Je bent een heel goede christen. Je hebt angst voor de Heer. Tu aimes vraiment la voix du Seigneur. Je houdt van de weg van de Heer. Je bidt veel. Tu es très belle. Je bent heel mooi. Tu rayonnes. Je schijnt. Mais. Maar. Le coup d'art. Je hebt leugens. Donc quand on met un mais. Het wil zeggen dat wanneer je op plaats, ce qui était dit avant. Het haalt weg wat er voor werd gezegd. Alleluia! Et j'aime la Bible, vous savez. Ik hou van de Bijbel. Il y a un mais ici. Er staat hier een maar. Il y a un mais ici. Er staat hier een maar. Quelqu'un a vu le mais là. Heeft er iemand die maar gezien? Avant c'est le chaos. Dus voor was het chaos. Avant c'est la catastrophe. Voor was de catastrophe. Avant c'est les ténèbres. Voor was de duister. Avant c'est le froid. Voor was de kou. Avant la terre tremble. Voor was de aarde. Avant c'est Michel. Voor was er een vos. La Bible déclare. Die dag zal er geen licht meer zijn. Er zal koud zijn. En er zal bos zijn. En het zal een unieke dag zijn. Gekend door de Heer. En het zal nog dag, nog nacht zijn. Maar. Seigneur, merci. Heer, dank u. Tout ce que je vivrai dans ma vie. Alles wat ik zal meemaken in mijn comme leven. Difficulté. Als moeilijkheid. La Bible, mais, de Bijbel zegt. Mais. Plaats er een maar. Et ça va annuler tout ce que le diable a mis. En het zal annuleren alles wat de duivel had geplaatst. Oh, j'aime le dire. Ik hou ervan om te zeggen. Place. Er is een plaats. Où j'aime aller me cacher. Waar ik mij wil gaan verstoppen. C'est sous la croix de Jésus. Dat is onder het kruis van Jezus. Sous la croix de Jésus. Onder het kruis van parce Jezus. Que je sais que sous la croix du Seigneur. Want ik weet dat onder het kruis van de Heer. Toute malédiction que le diable va me lancer. Alle vervloekingen dat de duivel naar mij zal lancer. Tout envoûtement que le diable va me balancer. Alles wat de duivel tegen mij zal lanceren. Dat het de heksen zijn. Dat het ook uw koesters zijn. Alle mensen van de ténèbres, dat ze een vervloeking nemen en ze gaan het naar mij gooien. Moi, je suis la croix de Jésus. Ik ben onder het kruis van Jezus. Wat zal er gebeuren? La croix de Jésus. Het kruis van Jezus zal u transformeren in machine. Qui va transformer toute malédiction en bénédiction. Vervloekingen parce que dans ma Bible, il est écrit. Qui maudira celui que l'Éternel a béni? Wie zal er vervloeken degene dat de Heer heeft gezegend? Wie zal degene vastgeven die gaat degene terug ophalen, degene dat de Heer heeft verheven? Ja, mais. Er staat een maar. Continuons, cher enfant de Dieu. Laten we verder gaan, kinderen van de Heer. La situation décrite dans ce verset est une situation de chaos. De situatie die hier is, les désastres, la destruction, le désespoir, wanhoop. Mais la promesse du Seigneur dit, maar de belofte van de Heer zegt dat er een licht zal opkomen. Le soir. De avond. Alors ça, ça me surprend. La Bible dit vers le soir. De Bijbel zegt naar de avond toe. Quelqu'un a vu ça dans sa Bible? Heeft er iemand dit op in zijn Bijbel? Vers le soir. Naar de avond toe. La lumière apparaîtra. Zal het licht worden? Je voudrais que nous puissions répéter cette phrase avec beaucoup de force et de foi. Ik zou willen dat we het herhalen. Vers le soir. Naar de avond. Vers le soir. Vers le soir. Naar de avond. Église, disons-le encore. Vers le soir. Naar de avond. La lumière apparaîtra. Zal het licht opkomen. Vers le soir. Naar de avond. La lumière paraîtra. Het licht zal opkomen. Maintenant cherche le visage de quelqu'un dans l'église. Cherche le regard de quelqu'un. Regarde le droit dans les yeux. Kijk iemand recht in de ogen. Regarde le droit devant toi. Kijk recht
hij de ogen aan. Repeat cette phrase. En hij vers le soir. Naar de avond toe. Vers le soir. Naar de avond toe. Ma lumière. Mijn licht. Ma lumière. Mijn licht. Ma lumière. Mijn licht. Apparaîtra. Zal opkomen. Halleluja. Vers le soir. Naar de avond toe. Église. Kerk. Il y a des mystères. Er zijn mysteries. Il y a des mystères dans le mot soir. Er zijn savez. Mysteries in het woord avond. Tof mola. Oui. Gaan we het openen. Avançons. Laten we verder gaan. La journée commence le matin. De dag begint 's ochtends. Le soleil se lève. De zon gaat déjà vers 5h, 6h. In Afrika is het ici, ça dépend des saisons. Hier hangt het af van de seizoen. Actuellement en hiver, nu, le soleil se lève parfois 7h, 8h. Zal de zon opkomen rond 7, 8 uur. Peu importe. Maakt niet uit. Le matin, c'est le matin. De dag, de ochtend is de ochtend. Et puis le soleil se lève. En de zon gaat opkomen. Le psalmiste David a dit, tel un soleil qui se lève comme un vaillant guerrier. De psalm zegt, zie een zon die opkomt als een qui poursuit son parcours sans se lasser. Dus die verder gaat jusqu'au crépuscule, le soir. Zon tot de avond toe. Il s'en va se coucher. En hij gaat terug om onder le te soir. Gaan. De avond. Rappelez-vous. Herinner jullie. Quand il devait avoir immolation de l'agneau. Wanneer dat er een dier moest gedood worden. Exode 13. Pour la libération des enfants d'Israël. Voor de bevrijding van de kinderen van Israël. Merci Saint-Esprit. Dank u Heilige Geest. Quand il devait avoir immolation de l'agneau. Wanneer dat men het lam moest gaan slachten. Ils étaient en Egypte. Ze waren in Egypte. Ils ont vécu les temps du ténèbre. Ze hadden een tijd van duisternis. Sous le joug de Pharaon. Onder Farao. Israël a pleuré. Israël was aan het huilen. Israël a enterré ses enfants. Israël heeft zijn kinderen. Israël heeft geleden. On les frappait. Men was hun aan het slagen. Midi. S'morgens, avonds. On les humiliait. En men was hun aan het vernederen. Ils n'avaient pas de droit. Ze hadden geen rechten meer. Ils étaient des esclaves. Ze waren slaven. En Israël. In Israël. C'était les larmes. Waar ze mensen les van het waren. De Egyptenaren waren blij. Et quand le Seigneur a envoyé Moïse, en wanneer de Heer Mozes heeft gezonden om de kinderen van de Heer te bevrijden, ma Bible à moi déclare, mijn Bijbel verklaart, Dieu dit à Moïse, de Heer zegt tegen Mozes, chaque famille prendra un agneau, iedere familie zal een lam nemen, qui vont immoler, dat ze zullen slachten, c'est le temps de la délivrance. Het is de tijd van de bevrijding. Ils ont attendu longtemps. Ze hebben heel lang gewacht. Ze hebben lang gewacht. Dus het kwam niet. Au moment de la délivrance. Maar het moment van de bevrijding. La Bible précise. De Bijbel is duidelijk. On va immoler cet agneau. Men gaat het lam slachten. Quand? Wanneer? Quand? Wanneer? Entre les deux soirs. Tussen de twee avonden. Entre les deux soirs. Tussen de twee avonden. In de avond. Oh Seigneur. Heer. Le mystère du soir. Het mysterie van nous de avond. Nous en parlerons encore. Wij zullen er nog que le Seigneur spreken. Nous en donne l'occasion. Il y a beaucoup de mystères. Veel mysteries. Recevez ces rema enfants de Dieu. Ontvang des rema van de Heer. Het is voor jullie. Entre les deux soirs. Tussen de twee avonden. In de avond. Et ici. En hier. La Bible nous dit vers le soir. De Bijbel zegt la lumière apparaît où? Zal het licht opkomen. Pour les enfants d'Israël. Voor de kinderen van Israël. Vers le soir. Naar de avond. L'agneau a été immolé. Werd het lam geslacht. Vers le soir. Naar de avond. L'agneau a été immolé. Lam werd geslacht. Oh là là. Maar dus. Jésus sur la croix. Jezus op het kruis. Vers le soir. Il a été immolé vers le soir. Il a été crucifié publiquement devant les gens. Il a été exposé devant les morts. Vers le soir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Vers le soir. Naar de avond. Je ne sais pas dans quelle partie de ta vie tu vis aujourd'hui. Je ne connais pas les difficultés que tu traverses. Je ne sais pas quelle moeilijkheid tu traverses. Mijn Heer stuurt mij in de zender. Uw leven is misschien in de avond. De zon gaat onder. Je zegt het is nu avond. Heer, Heer, de dag is voorbij. Heer, kan ik nog hopen? Mon Dieu m'envoie te dire. Mijn Heer zendt mij naar de avond van je leven. Naar de avond van je leven. La visitation divine. De goddelijke bezoeking. De Heer zal komen om je te bezoeken. In de avond van je leven. Je zal het ontvangen. Je zal het ontvangen. Alors répète avec moi. Herhaal het met mij. Vers le soir. Naar de avond toe. Vers le soir. Naar de avond toe. Vers le soir. Naar de avond toe. Ma lumière. Mijn licht. Ma lumière. Mijn licht. Apparaîtra. Zal opkomen. Acclame le Seigneur. Laten we klappen voor onze Heer.
il y a un programme de Dieu qui se fait uniquement le soir. Er is een programma van de Heer die uniek is. Laissez-moi vous dire cette vérité. Laat me u deze waarheid vertellen. Le soir, le soleil s'en va se coucher. In de avond gaat de zon onder. Le déclin. Dus wanneer er komt. Le crépuscule. Dus alle zaken die opkomen. On a attendu depuis le matin. Men was aan het wachten midi, tot in de ochtend. 15 uur. On a rien vu. Men zag niets. Ton Dieu sait depuis quand tu attends. Uw Heer weet. Ton Dieu sait depuis quand tu attends. Uw Heer weet. Ce message est pour toi. Mon frère, ma soeur, ce message est pour toi. Mijn broeder, mijn zuster, je t'apporte que j'avais prévu une autre prédication. J'avais préparé une autre prédication. Quand je suis rentré de la fête hier, j'étais fatigué. J'arrivais chez moi à la maison à 3h20. J'étais épuisé. Ik was moe. Je mets ma tête sur l'oreiller. Ik plaats mijn hoofd op mijn kussen. Le Saint-Esprit me dit, fils de l'homme. De Heilige Geest zegt, vers le soir, de zon, la lumière apparaîtra. Zal het licht opkomen. Je dis, Seigneur, tu es sûr? Ik zeg, Heer, ben jij je suis l'Éternel, ton Dieu qui te parle. Ik ben u, vers le soir, la lumière apparaîtra. Zal het licht opkomen. Le matin. In de ochtend. Je suis allé déposer ma femme au travail. C'est une vrouw op het werk. C'est ça que pas vu. Elle a travaillé aujourd'hui. C'est ça le corps médical. Dus dat zijn al de zaken die er gebeurd. Je l'ai déposé. Je suis rentré à la maison. Hij heeft haar gelaten. Hij is terug. Donc je n'ai eu que 3 heures de sommeil aujourd'hui. Dus hij had maar 3 uur slaap vandaag. Je rentre à la maison. Je m'assois devant l'ordinateur. Je me mets à taper tout ce que le Seigneur m'avait dit. Hij keert terug en hij begint alles te schrijven. En heeft die 2 pagina's geschreven. Deze ochtend. J'ai changé toute ma prédication. Hij heeft heel zijn. Parce que le Seigneur savait que tu serais là aujourd'hui. Dat die bond van de avond, ta lumière apparaîtra. Zal uw licht opkomen. Tu as attendu à midi. Je hebt gewacht in de middag. Je hebt het niet gezien in de middag. Je moet niet gaan wanhopen. Ne baisse pas les bras. Je moet niet je armen naar beneden halen. Onze Heer is bijzonder. Het is een Heer qui peut te surprendre. Die u kan verbazen. Même à la dernière minute. Zelfs op de laatste minuut. Au moment où tu ne t'y attends plus. Op het moment wanneer dat je het niet meer verwacht. Je connais quelqu'un. Ik ken iemand. Il était marié avec sa femme. Hij was getrouwd met zijn vrouw. Son nom était Zacharie. Zijn naam was Zacharie. Sa femme était Elisabeth. Zijn vrouw was Elisabeth. Vous connaissez leur histoire? Kennen jullie hun verhaal? Donne-moi, Seigneur. Heer, geef me. Je veux. Ik wil. Donne-le-moi. Geef het mij. Ils étaient avancés en âge. Ze waren al oud. L'âge avancé. Dus hun leeftijd was al. Et ils avaient pourtant reçu une promesse du Seigneur. Maar ze hadden de belofte van de Heer. Et la promesse ne venait toujours pas. Maar de belofte kwam steeds niet. Ils ont persévéré à servir Dieu. Ze waren aan de Heer steeds aan het dienen. Et puis au moment où Zacharie ne s'y attendait plus. En op het moment dat Zacharie niet meer verwachtte. Même Elisabeth avait oublié. De Bijbel zegt dat zelfs Elisabeth het vergeten. Le Seigneur est venu à leur rencontre. De Heer is gekomen om hen te ontmoeten. Jésus-Christ a dit. En Jezus Christus zei. Fils de l'homme. Mensenzoon. Ta femme portera un enfant. Uw vrouw zal een kind dragen. Ta femme portera un enfant. Uw vrouw zal een kind dragen. Comme c'était vers le soir. Dus het was naar de avond toe. Comme c'était vers le soir. Aangezien het naar de avond toe was. Et que nous ne sommes pas habitués aux horaires du soir. En wij niet de gewoonte hebben van de avond. J'étais informé que Dieu est habitué aux horaires du soir. Dus de Heer is. Parce que lui, à la dernière minute, il peut marquer un but. Op het laatste minuut. Au moment où le diable pensait qu'il est en train de mener. Op het moment où le diable pensait qu'il est en train de marquer des buts. Zij denken dat ze gewoon zal mon Dieu, à la dernière minute. Mijn Heer, op het laatste minuut. Il peut te provoquer une pénalty. Hij kan nu toch nog een penalty geven. En hij gaat ook nog een slag slagen. En er zal een goal komen. Eén goal. Pour mettre Goliath par terre. Die hond op de grond zal plaatsen. En hij zal de overwinning van de Heer. Het is maar één goal. Onze Heer. De Heer gaat in de avond die werking brengen. Hij kan u verbazen waar dat hij niet verwacht. Heer, dank u. Heer, dank u. De avond. Ils étaient là, ils attendaient. Ze waren daar, ze waren aan het wachten. Et quand l'ange a parlé à Elisabeth et à son mari. En wanneer de engel tegen Elisabeth en haar man heeft gesproken, wat is er dan gebeurd? Le mari répond à l'ange. De man gaat aan de engel antwoorden. Ça j'aime beaucoup. Daar heb ik van. Parce que ça c'est toi et moi. Want dat ben jij en ik. Seigneur. Zeg, ja, Heer. Tu es sûr de ce que tu dis que je vais avoir un enfant? Ben je zeker van wat je zegt dat ik een kind heb? C'est impossible. Het is niet meer mogelijk. C'est trop tard. Het is al te laat.
Cet homme a corrigé Dieu. Die man wou de Heer corrigeren. Il a dit à l'ange Dieu. Hij zei tegen de engel van de Heer. Tu m'apportes la solution à mon problème. Je brengt een oplossing naar mijn probleem. Mais Seigneur, tu avais oublié. Maar Heer, je was het vergeten. Même le Père Noël il vient tard. Dus zelfs de kerstman komt op tijd. Toi, tu es arrivé en retard. Jij bent te laat aangekomen. Ma femme mijn vrouw is al in de middelpauze. Het is al gedaan. Elle ne peut plus concevoir. Ze kan geen kinderen meer krijgen. La Bible déclare, l'ange a regardé cet homme. De engel keek naar l'ange lui a dit. En de engel zei, je suis qui? Wie ben ik? Gabriel. Ik ben Gabriel. Je me tiens dans la présence de l'Éternel. Ik hou me voor de aanwezigheid van de Heer. Tu auras un enfant. Je zal een kind krijgen. Mais comme tu as contesté avec Dieu, maar omdat je in tegenstrijd tu resteras muet. Je zal zo blijven. En je gaat niet voorgesteld worden. Église. Kerk. Si Zacharie a été puni, als Zacharie gestraft werd, parce qu'il n'avait pas compris les mystères du soir. Het is omdat hij de mysterie van de avond in de avond. Au crépuscule. Dus in de avond. Dites avec moi, crépuscule. Zeg met mij in de crépuscule. C'est un nouveau mot. Hein? Het is een nieuw woord. Crépuscule. Ça veut dire quand le mois est dans le côté. Het wil zeggen dat wanneer de zon ondergaat. J'ai cherché une image du soleil qui va se coucher. Ouais, wou een beeld tonen van de zon die ondergaat. Vous voyez ce soleil là? Zien jullie de zon? C'est vraiment le soir. Het is de avond. Oh Seigneur. Heer. N'oubliez pas. Vergeet niet. Pour d'autres ici. Voor anderen hier. Avant de venir en Europe. Voordat ze in Europa zijn gekomen. Tu avais jeûné. Heb je zitten vasten? Tu avais intercédé. Heb je zitten bidden? Tu avais lié. Je hebt alles zitten wikkelen. Tu avais déchaîné. Je hebt al die zaken zitten losmaken. Tu avais tous les jeûnes qui sont bibliques. Je hebt alle vasten gedaan die in de Bijbel staan. Jeûne d'un jour. Dus je hebt een vaste gedaan van een dag. Jours. Een vaste van drie comme dagen. Comme non, mais non, on appelle ça jeûne de Daniel. Dus zoals het een jeûne dag de Esther. Dus jeûne vaste van Daniel, van tu Esther, van Moos. Je hebt alle vasten gedaan van de Bijbel. Gewoon voor een visum te ontvangen. Est-ce qu'on commet la pauvreté? En ben je hier niet gereisd? Est-ce que tu n'es pas arrivé en Europe? Ben je niet hier in Europa gereisd? Ah, kind van de Heer. Nous oublions souvent les choses que Dieu fait. Wij vergeten vaak wat de Heer. Le jour où tu es monté dans l'avion. De dag wanneer dat jij in het vliegtuig. Comme les autres. Zoals anderen. Moi. Hè? Quand j'ai pris enfin mon avion. Wanneer dat hij eindelijk zijn vliegtuig nam, wanneer hij daar was. Des gens ont monté. Er waren mensen die waren monté sur les escaliers de l'avion. Ze waren op de trappen. Quand je suis arrivé à l'entrée de l'avion. Wanneer dat hij op trap was. J'avais arraché. Omdat hij het allemaal had zitten vasten. Omdat hij had zitten vasten. Omdat hij alles had losgemaakt. Hij zei, ik ga niet zo in het vliegtuig. Dus wat ik nu zeg is de waarheid. Hij is zich teruggekeerd. Pour regarder Kinshasa. Om te kijken naar Kinshasa. Voyez quelqu'un qui veut entrer dans l'avion. Zien jullie iemand in het vliegtuig? Er zijn mensen achter hem. En hij staat stil voor het vliegtuig. En hij keert terug om te kijken naar de laatste kijk van Kinshasa. J'ai dit, Seigneur, tu m'as exaucé. Merci, quel poteau. Dank u, ik ga eindelijk naar Europa. Je moet zulke verhalen niet vergeten. Je moet het verhaal van je leven dat steeds herinneren. Il n'a pas changé. Hij verandert niet. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse. Het is daarom dat hij tegen Mozes zegt tegen de kinderen van Israël. Dat ze niet vergeten wat ik voor hen heb gedaan. Parce que le même Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Want dezelfde Heer die jullie aan de hand van Egypte heeft gebracht. Il est le même Dieu qui vous délivrera d'entre les mains des Amoréens. Wanneer ze zagen dat meer op hen aan het gaan was. Ils étaient sur les chars. Ze waren daar op hun koetsen. Ma fille, j'ai parfois pitié de toi. Je cours très vite. Hein. On va ralentir. Alléluia. Amen. Mais ils étaient sur les chars. Ze waren op koetsen. Ils s'apprêtaient à fuir aussi. Ze waren alles aan het voorbereiden om ook te vluchten. Notre Dieu. Onze Heer. Ma bête, on a été bêté. Dus we gaan niet in stress. Jésus-Christ a envoyé son ange. Jezus Christus heeft zijn engel gestuurd. Il est venu. Hij is gekomen. Sur les chars de Pharaon. Dus op die koetsen van Pharaon. En ik herhaal. Ma Bible dit, dat mijn Bijbel. L'ange a ouvert le boulon. Dus de engel heeft al die l'ange technicien du ciel, le mécanicien du ciel a quitté le boulon. Engel is gekomen.
je gaat niet plus dans je gaat een la Bible déclare dans le psaume 3. De Bijbel verklaart in psalm 3. L'avant-dernier verset. Dit de allerlaatste, de voorlaatste. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Want je slaat et tu brises les dents. Tu mes handen en je gaat de tanden breken van de slechten. Dat is het woord van well, die zei die wou vluchten. Er zijn geen banden meer. Imagine, je moet je voorstellen, ze zijn op die koepel. Ze beginnen snel te vluchten. Dat is et echt wat er gebeurt. En het water kwam op hen af. Mon Dieu agit même vers le soir. Mijn Heer zal in werking treden zelfs naar de avond. Il aime le soir. En hij houdt van de avond. Nous allons tout de suite comprendre pourquoi. Wij gaan snel begrijpen waarom. Le soir, c'est le moment où on sent et on voit que le soleil de l'espérance s'évanouit. Dus de avond is het moment wanneer we zien dat de hoop weggaat. Le soleil de l'espérance s'évanouit dans un chaos, dans un chaos des ténèbres. Dus wij zien dat de zon van hoop weggaat in een chaos die duisternis toont. Cette femme qui a saigné pendant combien d'années? Die vrouw die aan het bloeien dans was. Dans la Bible, cette femme qui a saigné pendant combien d'années? Hoe lang was ze aan het bloeden? 12 ans. Combien, s'il vous plaît? Hoeveel? 12 ans. Vous pensez qu'elle n'avait pas espéré les premiers mois? Denk jullie niet dat ze de eerste maand ook aan het hoofd was? Elle s'était dit, ça va passer. Ze zei, het zal wel voorbij gaan. Puis le deuxième mois, de tweede maand. Le troisième mois, de derde. Ça devient inquiétant. Dus het wordt toch wel zorgwekkend. Zes maanden. Je commence à faire de l'anémie. Dus ik zie dat ik anémie krijg. Seigneur, pendant six mois, tu perds du sang. Pendant six mois, tu deviens anémique. Dus bloed verliezen zes maanden lang, dat is een anémie. Et en médecine, quand une personne a un taux d'hémoglobine inférieur à 7, il faut les transfuser. En iemand wanneer dat hij al een bloedverlies heeft tot de 7, moet hij een transfusie. C'est dat is verbazend, die vrouw. Elle a saigné non pas pendant 6 mois, ze was, une année. Ze was niet aan het bloeien 6 maanden, 2 ans, ni 2 jaar, ni 3 ans, ni 3 jaar, ni 4 ans, ni 5, ni 5 ans, ni 5, ni 10 ans, ni 10. Mais pendant combien? Maar hoe lang? 12 ans. 12 jaar. Pendant ces 12 ans, vous pensez qu'elle avait ma bobo? Dus denken jullie dat ze die 12 jaar haar armen had gekregen? Ze heeft oplossingen gezocht. Ma Bible à moi déclare. Mijn Bijbel verklaart. Elle a dilapidé tout ce qu'elle avait. Dus dat ze alles heeft gegeven aan de main de médecin. Ze heeft het allemaal in de handen van de dokter gegeven. Ze heeft alles. Là, c'était le matin. Dus dat was in de ochtend. Daarna was het in de rust. Daarna was het om 3 uur. Plus d'espoir. Er was geen hoop meer. Elle ne croyait plus en rien. Ze geloofde in niets. Chaque fois qu'on va voir un médecin. Iedere keer wanneer we naar een dokter gaan. On espère. Wij hopen. On a la foi. Wij hebben een geloof. Ils vont trouver une solution. Wij zeggen, ze zullen een oplossing vinden op une année. Pas de solution. Geen oplossing. 2 ans. Pas de solution. Geen oplossing. 3 ans. Pas de solution. 3 jaar. Geen oplossing. 5 ans. 10 ans. Pas de solution. Geen oplossing. Plus on est confronté à des manques de solutions, hoe meer dat wij geconfronteerd worden aan het gebrek van een oplossing, hoe meer, luister goed, plus une montagne d'incrédulité est en train de naître. Hoe meer dat er een berg van ongeloof komt, on ne croit plus. Wij geloven niet on meer. Ne croit plus. Wij geloven niet meer. Zelfs die liefde. On t'a promis mariage. Men heeft u een huwelijk beloofd. Ma soeur, tu es belle, je vais t'épouser. Mijn zuster, je bent mooi, ik zal trouwen met jou. Il s'en va épouser à une autre. En hij gaat weg om te trouwen met een ander. Jésus, mon cœur est brisé, mon cœur est déchiré. Jezus, mijn hart is verscheurd. Une année après, un autre frère vient. Een jaar later komt er een andere broer. Ma soeur, je vais t'épouser. Mijn zuster, ik zal met jou trouwen. En hij is nog iemand anders gaan. Oh, Seigneur, une deuxième fois, c'est la honte. Mijn Heer, het et is een schaamte. Er komt een derde. Il s'en va encore ailleurs. En hij gaat nog eens weg. Je pense que quand le quatrième viendra, ik denk dat wanneer de vierde zal komen, dat je niet meer gaat huilen. Parce que ton cœur blessé est devenu dur. Want uw hart die helemaal gebroken was, is zal smart geworden. Wanneer hij zal komen te zeggen, mijn zuster, Dieu m'a dit, de Heer heeft tegen mij gezegd, tu es la femme de ma vie. Je bent de vrouw van mijn leven. Tu vas les regarder, mm-hmm. Je gaat naar hem kijken. Mm-hmm. Avance encore. Mm-hmm, ga verder. Relate toujours. Ja, zeg maar. On se dit. Dus ben je klaar? Tu sais combien on dit ça avant? Weet je hoeveel mensen het al voor hebben gezegd? Donc, il y a une montagne d'incrédulité qui est en train de naître. Er is een berg van ongeloof die in u is geboren. Plus on rencontre ces obstacles. Hoe meer dat wij die obstakels. Plus la foi est secouée. Hoe meer dat uw geloof geschud wordt. Oh Seigneur. Heer. Et l'homme dans ce moment-là, il est brisé. En de mens op dat moment il ne croit plus. En hij gelooft niet meer. Mais c'est que j'aime dans mon Jésus. Maar waar ik van hou bij mijn Jezus. C'est que lui veut que tu continues à croire. Hij wil dat jij blijft geloven. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Want zijn tijd is nog niet aangebroken. Pour mon Jésus, son temps arrive. Voor mijn Jezus komt.
comme peut-être et son temps arrive même si c'est 12 ans après. Et c'est comme ça, son temps arrive même l'âme. Si Sarah doit avoir 75 ans. Son temps arrivera. Haar tijd zal aankomen. En wanneer die tijd van de Heer aankomt, 12 ans après, 12 jaar later, die vrouw hoorde spreken over Jezus. La foi est née dans son cœur. Er is een geloof geboren in haar hart. La loi des hommes me condamne à ne pas m'approcher de la foule parce que je suis une femme souillée. Dus de wetten zeggen dat ik niet dichter bij de massa kan komen omdat ik een vuile vrouw ben. J'ai rencontré beaucoup de médecins aussi. Maar ik heb ook heel veel dokters ontmoet. Ils n'ont pas pu faire quelque chose pour moi. Ze hebben niets voor mij kunnen doen. Ils m'ont tous déçu. Ze hebben me allemaal teleurgesteld. Mais cet homme, je ne l'ai jamais rencontré. Maar deze man heb ik nog nooit ontmoet. Mais la Bible déclare, elle avait entendu parler. De Bijbel verklaart dat ze had horen spreken. Alors cette femme s'est dit. Dus die vrouw zei in haarzelf. J'ai essayé plusieurs. Ik heb er meerdere geprobeerd. Mais lui, je ne l'ai jamais essayé. Maar hem heb ik nog nooit geprobeerd. Je mets ma foi en lui. Ik plaats mijn geloof in je hem. Place ma foi en lui. Ik plaats mijn geloof il in agira. Hem. Hij zal in werking treden. Les autres, je suis allé avec de l'argent. De andere ben ik naartoe gegaan. Je suis allé avec mes lors. Ik ben gegaan met je suis allé avec mes trésors. Ik ben gegaan met al mijn schatten. Ze hebben mij niets gegeven. Celui-ci. En deze. Je vais aller chez lui. Deze, ik zal naar hem gaan. Sans argent. Zonder geld. Sans l'or. Zonder geld. Avec ma foi. Ik kom met mijn geloof. Et je sais que lui avait dit. En ik weet dat hij had gezegd. Si une foi, als jij geloof hebt. Aussi petite que les grains de sénévé. Als zal ons een kleine zaad van sénévé. Je gaat deze berg kunnen zetten. Montagne, lève-toi de ça. Ici. Weg van hier. Jette-toi dans la mer. En gooi je in de mer. Et la montagne t'obéira. En de berg zal je samen. Aujourd'hui. Vandaag. C'est le jour. Vandaag is het de dag. La montagne. Waar de berg. La montagne. Waar de berg. Je dis la montagne. Ik zeg de berg. De mon incrédulité. Van mijn ongeloof, de maladie, van mijn ziekte, van mijn leed, van mijn leed, zal weggaan. Alors elle a formé sa propre formule. Ze heeft haar eigen formule opgemaakt. Ce n'est pas Jésus qui lui avait dit viens me toucher. Het is niet Jezus die zei kom maar raken. Et sa foi. Ze heeft haar eigen geloof. Si seulement je m'approche. Ze zegt als ik gewoon dicht ga. Touche le bord de sa robe. En als ik enkel zijn kleed aanraak. Je serai guéri. Dan zal ik genezen worden. Je vous promets l'enseignement sur la frange. Ik beloof jullie aan dans les mois qui viennent. In de maanden die komen. Nous parlerons de ce mystère de la frange. Zullen wij spreken over het mysterie van zijn kleed? Pour l'instant, revenons dans notre message. Laten we terugkomen naar onze boodschap. Le soir, les crépuscules, quelque chose se passe. Dus in de avond gebeurt er iets. Le Seigneur, il agit le soir. De Heer zal in werking treden in de avond. C'est un moment où les doutes s'installent. Het is een moment wanneer er twijfels komen. Sur sa foi et sur les promesses de dus Dieu. Wij zijn ons vragen aan het stellen over ons geloof en de beloftes van de Heer. Ce qui est merveilleux. Wat schitterend is. C'est que le soir, c'est la finalité. Is dat de avond het eindpunt is. Vous comprenez? Begrijpen jullie? Le soir, c'est la finalité. Dus de avond is het eindpunt. La journée finie. De dag is voorbij. Les bureaux vont fermer. Dus de bureaux zijn gesloten worden. Het is het einde. Et nous, quand nous arrivons à un moment où nous pensons arriver à la fin. En wij, wanneer wij aankomen op een moment wanneer wij denken dat we aan het einde zijn. Onze Heer zegt dat. Ta fin n'est pas ma fin. Uw einde is niet mijn einde. Tes limites ne sont pas mes limites. Uw grenzen zijn mijn grenzen niet. Là où ta foi s'arrête. Daar waar uw geloof stilstaat. Là où tes capacités s'arrêtent. Daar waar uw capaciteiten stilstaat. Om je wat mijn Heer. Alors je n'espère pas. Je moet niet gaan wanhopen. Quand tu arrives le soir. Wanneer je in de avond komt. Quand tu arrives au soir de ta vie. Wanneer je aan de avond van uw leven aankomt. Tu n'as plus de foi. En je hebt geen geloof meer. Rappelle-toi que Jésus Christ. Herinner u dat Jezus Christus. Il est l'alpha. Hij is de Alpha. Et il est l'Omega. En hij is de Omega. Il est le commencement. Hij is het begin. Et il est la fin. En hij is het einde. C'est lui qui est le soleil levant du matin. Hij die de zon het licht. C'est lui là qui viendra agir dans ta vie. Het is hij die in werking zal treden in je leven. Linge kota. Als er licht wordt opgekomen. Il est le Dieu de Josué. Hij is de Heer van Jozua. Il viendra dire au soleil. Hij zal komen zeggen tegen de zon. Ne te couche pas. Je moet niet ondergaan. Ne te couche pas. Je moet niet ondergaan. Tant que ma fille ou mon fils n'a pas encore reçu son miracle. Alors au bon Dieu, il faut espérer. Il faut croire. Je moet geloven. Il faut croire. Je moet geloven. Ton soir n'est pas la fin. Uw avond is niet het einde. C'est le début de tes miracles. Dat is het begin van uw miracles. Même si tu as attendu plusieurs années. Zelfs al heb je meerdere jaren. Ton soir, c'est le début de tes miracles. Uw avond is het begin van uw miracles. Parce que Jésus Christ que je prêche. Parce que Jésus Christ il est capable. Hij maakt het mogelijk. Il est capable. Hij maakt het mogelijk. De changer l'histoire de ta vie. Transformer l'histoire de ta vie. Les gens vont te regarder. Mensen zullen naar jou kijken. Les gens vont se dire. Mensen zullen zeggen. Est-ce que toujours la même personne? Is het nog steeds dezelfde persoon? Est-ce que toujours la même sœur? Is het nog steeds dezelfde persoon? Est-ce que toujours le même frère? Is het nog steeds dezelfde persoon? Jésus va transformer ton visage. Jezus
gaat uw gezicht veranderen. En zal al dat leed weghalen. Mijn Bijbel verklaart. Dus degene die verlaten, de vrouw die verlaten werd, zal getroost worden. Hey, Jezus. C'est notre Dieu qui nous donne ses promesses. Het is onze Heer die ons die belofte geeft. De avond. Le soir. De avond. C'est merveilleux. Het is schitterend. Alors Job. En Job. 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 Ses amis sont venus. Zijn vrienden kwamen. Ils ont dit Job. Ze zeiden Job. Tu es fini. Het is gedaan voor u. C'est le soir. Het is de avond. K.O. Het is K.O. Tous les enfants morts. Alle kinderen gestorven. Les richesses finies. Uw rijkdommen zijn al gedaan. Les chameaux foudroyés. Dus men ziet dat uw dieren al dood zijn. Les bandits sont venus voler. Men ziet de dieven zijn komen slepen. Alles is al weg. Job. Job. C'est le soir. Het is de avond. En d'autres termes. Met andere woorden. Tu es foutu. Het is gedaan voor Avez-vous déjà lu ça? Hebben jullie dat ook al gelezen? Ses propres amis sont venus lui dire Job. Zijn eigen vrienden zijn gekomen om te zeggen Job. Het is gedaan. Het is gedaan. 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 Job. Job. This is the end. Het is het einde. No hope. Er is niets meer. On ne peut plus espérer. We kunnen niet meer hopen. De match is Job était devenu méconnaissable. Hij was daar geworden en was onkenbaar. Vous n'avez jamais lu sa souffrance. Hebben jullie nooit zijn leed gelezen? Die rijke man. Il était dans une pauvreté. Hij was in een armoede gekomen. Où, quand les amis de Job sont rentrés chercher Job. Wanneer de vrienden, wanneer hij die kwamen om Job te zien. Il faut bien lire la Bible. Hein? De Bijbel, je moet goed de Bijbel. Ils sont rentrés dans la maison de Job. Zij kwamen in het huis. Ils ont trouvé la femme de Job. Ze hebben een vrouw van Job gezien. Nous sommes venus visiter notre ami Job. Zegt, we zijn onze vriend On Job komen zien. Toutes les souffrances qui lui sont arrivées. En al het leed, gebeurd is, zijn vrouw zijn. Et à la maison. Hij is thuis. Ils sont entrés. Ze zijn binnengekomen. Viens, ma fille. Mets-toi là. Mets-toi assis. Job était assis. Job was zat, hein? Ils sont entrés dans la maison de Job. Zij gingen in het huis van Job. Job. Zeg Job. 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 Tu es là? Ben je daar? Job. 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 Et toi dis, c'est moi. C'est moi. Job. C'est moi. Job, tu es où? Dis encore c'est moi. C'est moi. Job, toi es aussi ton ennemi. Job, tu es où? C'est moi. Niets aan het verzien. Job qui dit c'est moi. Job disait avec ik ben, une voix faible, affaiblie par la souffrance. Met een zwakke stem. Ses amis l'ont regardé. Zijn vrienden keken naar hem. Qui est en train de dire c'est moi? Wie is aan het zeggen ik ben het? Ils ont regardé. Ze keken. Cette chose là, c'est ça qui dit que c'est Job. Is het hij daar dat ding? Non, mais nous on connaît Job, l'homme riche. Maar wij kennen Job, die rijke man, die daar opgeheven is. Ça là, ça dit que c'est Job. Dat daar zegt dat hij Job is. En Tiluba, quand c'est comme ça, on n'utilise plus le mot tu. On dit ka. Kantuka, kakesa nungo kadika. Voilà. Cette petite chose de ka, kantuka, on te chosifie en disant le ka. Dus men zegt een klein ding. Cette chose là, c'est ça qui dit que c'est Job. Is het dat ding daar dat zegt dat het Job is? C'est moi. Ik ben het. Quand ils ont bien, bien regardé. Wanneer dat ze goed en goed keken. Ils étaient KO. Waren ze daar KO? Toi assis encore. La Bible déclare qu'ils se sont assis eux aussi. De Bijbel zegt dat ze ook gingen zitten. Ils n'ont pas parlé. Ze hebben niet gesproken. Pendant des jours. Dagen. Pendant des jours, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Hebben ze hun mond niet geopend. Ils sont restés étonnés. Ze waren daar verbaasd. Étonnés tellement que la souffrance de Job était grave. Verbaasd omdat het leed van Job zo groot was. Dans cet état. Dus in deze staat. Ah, mon quoi l'infini est s'il a raté. Dus ze zeggen, ah, ils n'ont pas dit un mot pendant des jours. Ze hebben dagenlang niet meer gesproken. Pour vous dire combien la souffrance de Job était grande. Om jullie te zeggen hoe groot het leed van Job was. Oh, j'aime le Dieu de Job. Ik hou van de Heer van Job. Job était dans la souffrance. Vous savez comment? Parce qu'il avait des choses et du mal qu'il a posé. Job was in leed, waar de zaken die uit zijn huid kwamen. Job heeft hem aangevallen. Wat deed Job? Quand ça grattait, qu'est-ce qu'il faisait? Wanneer dat het aan het jeuken was, wat deed hij dan?
il prenait des choses dures comme des pierres, des coquilles, des carapaces, s'est gratté avec ça. Et ça saignait sur lui. Et ça grattait tellement. Want het jeugde zo hard. Hij moest zich hebben. En het heeft hem helemaal verscheurd, het lichaam. Le diable était content. En wow, de duivel was blij. Hij zegt, ja, ik heb het. Laat me jullie zeggen wat de duivel wist. Dat was een mysterie. Ça, le diable ne savait pas. De duivel wist que mon niet Dieu, dat mijn Heer. Il est celui que Job avait dit. En degene dat hij. Je le sais, mon rédempteur se le verra. Le dernier, mon rédempteur se le verra. Mijn redder zal als laatste opstaan. Ja, Heer. Là aussi, le Job chapitre 19, le verset 25. Job 19, vers 25. Ça commence avec cette phrase. En het begint ook met deze zin. Mais. Maar. Ça commence avec un mais. Het begint met een maar. Ça dit, nous sommes l'objet d'un nom. Dat wil zeggen dat alles wat dat jullie gezegd vous hadden, dit, alles wat jullie gezegd hadden, mais, maar, je le sais, ik weet, que mon rédempteur est vivant, dat mijn ridder leeft, il se lèvera le dernier, en hij zal als laatste rechtstaan. Réponds aux ennemis de ta vie. Antwoord aan de vijanden van je leven. Réponds aux gens qui t'indexent. Antwoord aan de mensen die u schuldig maken. Réponds aux gens qui t'accusent. Antwoord aan de mensen die u veroordelen. Réponds aux gens qui cherchent à t'écraser. Antwoord aan de mensen die u proberen te vermoorden. Réponds aux gens qui te combattent. Antwoord aan de mensen die tegen je opstaan. Zich aan antwoorden. Zeg tegen hem. Maar. Malgré tout ce que vous dites. Ondanks alles wat jullie aan het zeggen zijn. Maar. Je le sais. Ik weet. Mon rédempteur. Mijn redder. Il est vivant. Hij se lèvera. Hij zal als laatste. Son nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Mon rédempteur. Mijn redder. Quand Job a dit que mon rédempteur s'élèvera vers le dernier. Wanneer dat Job zei dat mijn redder als laatste zal rechtstaan. Ça veut dire que tout le monde s'est déjà levé. Dat wil zeggen dat iedereen al rechts stond. Y compris mes amis. En dus zelfs mijn vrienden meegerekend. Leur conclusion. Hun conclusie. N'est pas ma conclusion. Is niet mijn conclusie. Ça me fait penser à un Dieu merveilleux. Het laat me denken aan een schitterende Heer. On en a parlé encore il y a quelque temps. We hebben er al vorige keer over gesproken. Le Dieu de Caleb et de Josué. De Heer van Caleb en Josué. Tous les douze sont venus. Alle 12 zijn gekomen. Les espions sont venus. Chacun fait son rapport. Iedereen heeft zijn verslag. Ils ont dit c'est pas possible. Ze zeiden het is niet mogelijk. On ne peut pas. Wij kunnen het niet. Mais Josué et Caleb. Maar Josué en Caleb. Mais nous savons. Wij weten. Que le même Dieu qui a frappé. Dat dezelfde les Egyptiens. Je le sais. Ik weet. Il est capable de nous donner Canaan. Ik weet dat hij ons Canaan zal geven. Dat is van mij. Canaan is van mij. Bénédiction is van mij. Die zegening is van mij. Enfant de Dieu, il faut penser au mystère du soir. Kinderen van de Heer, je moet denken aan het mysterie van de avond. Denk eraan. Regardez encore dans la parole du Seigneur. Regardez ensemble avec moi, on va lire. Regardez, peuple de Dieu. Je ne vais pas vous empêcher. Lisons-les ensemble. Allons-y. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Je vais toquer ça un peu. Je vais toquer ça. Là, d'un. La Bible déclare. De Bijbel verklaart. Abraham a eu la foi en Dieu. Abraham had geloof in God. On a tous dit c'est un mauvais papa qui veut tuer son fils. Wij zeiden allemaal dat is een slechte papa die zijn. C'est pas un mauvais papa. Het is niet een slechte papa. Parce que la Bible dit. Want de Bijbel zegt. Regardez ce qui s'est passé dans le cerveau d'Abraham quand il allait tuer Isaac. Kijk wat er gebeurt in de hersenen van Isaac. Dat is wat er gebeurt. Abraham il pensait. Abraham dacht. Que son Dieu. Dat zijn Heer. Il est puissant. Dat hij krachtig. Il est capable. Il a la solution. Hij heeft de oplossing. Hij kan alles. Même si je tue mon fils, zelfs al dood ik mijn Dieu va le ressusciter. Ik zal mijn kind. Je vais retrouver mon Isaac. Ik zal mijn Isaac terug. Je vais le tuer parce que Dieu m'a demandé. Ik zal hem doden, want de Heer heeft mij gevraagd om hem te doden. Bien-aimé. Geliefde. Si Dieu te dit me manga bo, me manga. Als de Heer zegt dat parce que là tu es assuré. Want dan ben je parce que tu as l'assurance. Je hebt de verzekering. Est-ce que quelqu'un m'entend? Luistert iemand? Ce qui nous a fait
Als de Heer zegt dat je dat schuld moet opnemen, neem het, neem het op, want je hebt de verzekering. Je hebt de verzekering. Écoutez ce que l'Esprit me dit maintenant. Luister naar wat de Geest tegen mij zegt. Dieu a envoyé son ange. De Heer heeft dans ma prédication, le Saint-Esprit me dit maintenant. De Heer heeft zijn engel gestuurd. Dieu a envoyé son ange. De Heer heeft zijn engel gestuurd. J'ai une fille. Bij een dochter, bij een vierge. Een kind dat maagd was. Il n'a jamais connu d'homme. Ze heeft nog nooit een man gekend. Cette fille vivait les plus merveilleuses histoires de sa vie. La plus merveilleuse histoire de sa vie. Best het mooiste verhaal van. Il était fiancé. Dus ze was verloofd. Oh, quel beau moment. Zegt wat voor een mooie moment. Quelle belle période de fiançailles. Periode, la joie, de vreugde. Tout le monde savait. Iedereen wist que Marie est fiancée à Joseph. Dat Maria verloofd was aan Jozef. Het was een moment van vreugde. En de Heer zal een schuld opbrengen aan Maria. Marie. Hij zegt Maria. L'Éternel m'envoie chez toi. De Heer stuurt mij bij jou. Tu tomberas enceinte. Je zal zwanger worden. Seigneur. Heer. T'es vraiment sûr? Ben je zeker? Je ne connais pas d'homme. Ik ken geen man. Tu es le Dieu Saint, tu veux que je commette un péché. Je bent de Heilige Geest, wil je dat ik een zonde heb? Nee, Maria. Tu tomberas enceinte. Je zal zwanger worden. Mais Seigneur, je viens te dire, comment moi qui ne connais pas d'homme, je tomberai enceinte. Ik heb u net gezegd, ik die geen mannen ken, hoe zal ik zwanger worden? Zal Maria Marie Gambo. Je zult gaan opbrengen aan Maria. Le Saint-Esprit te couvrira. De Heilige Geest zal u bedekken. Solution is amolie moussant. De oplossing is de Heilige Geest. Le Saint-Esprit, c'est ta solution. De Heilige Geest is le uw oplossing. Le Saint-Esprit, c'est ta solution. De Heilige Geest is uw oplossing. Rappelez-vous, c'est le même esprit qui était sur Simeon. Herinner u, het was dezelfde le même esprit qui avait révélé à Simeon. Que tu ne mourras pas. Je zal niet sterven. Jusqu'à ce que tu auras vu le Messie. Totdat je de Messie hebt gezien. C'est le même esprit. Het is dezelfde qui a parlé Geest à Marie. Sprak. Le Saint-Esprit te couvrira. De Heilige Geest zal u bedekken. De krachtige Heer zal u bedekken. En het kind dat jij zal dragen. Hij is de redder van anderen. Maria dit. En Maria zegt. Ik ben uw dienaar. Ik ben selon ta volonté. Dat het gedaan wordt volgens uw wil. Je l'ai pris pour moi. Ik heb het voor mij genomen. Als de Heer zegt dat ik dat schuld heb, dan zal ik dat schuld hebben. Si zelfs al gaan de mensen mij uitlaten, ik zal dat schuld hebben. Zelfs al gaan de mensen mij uitlaten, ik zal dat schuld hebben. Zelfs al gaan de mensen mij dat schuld opnemen. Parce que dans cette affaire, tu ne seras pas seul. Want in dat verhaal zal je niet alleen zijn. De Heilige Geest zal je betekenen. Mijn broeder, de Heilige Geest zal u bedekken. Wat voor zekerheid. Wat voor zekerheid. Là, le Saint-Esprit est en train de faire des croisements de versets dans ma tête. En de Heilige Geest is verschillende versen in mijn hoofd aan het plaatsen. Le soir. In de avond. Regardons ce qui se passe ici. Laten we kijken wat er dan gebeurt. Oh yes. Vous me permettez, je vais changer de Bible. Parce que la version qui est ici là, elle est légèrement différente et la version que je vais prendre maintenant, c'est une version qui va nous accompagner vers la fin de cette prédication. Jean chapitre 11, ouvrons tous nos Bibles. Johannes 11. Nous allons les lire ensemble. We gaan het samen lezen. Merci Seigneur. On va vite les lire. Et parfois on va s'arrêter. Et parfois on va continuer. Amen. 1 à 44. Vous y êtes? Ah Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignait du parfum, de parfum, qui oignait des parfums, le Seigneur, et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Après avoir, je suis au verset 3 maintenant, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Le verset 4, regardez bien. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste. » Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare aussi. Lorsqu'il
il lui a appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. On peut un moment s'arrêter là. Ce qui m'impressionne déjà ici, c'est qu'on a informé à Jésus que la personne qu'il aime, un homme merveilleux, Lazare, il est malade. Jésus est resté. Maintenant, à l'éclairage de cette prédication, avez-vous compris pourquoi Jésus était resté? Jésus n'est pas allé. Lazare est malade, Jésus n'est pas parti. Lazare est ziek, mais Jésus n'est pas parti. Quelqu'un a compris pourquoi Jésus n'était pas parti? Iemand begrepen waarom dat Jezus niet ging? Oui. 12 uur. Jésus l'attendait le soir. Jezus was aan het wachten tot de avond. Il attendait qu'on arrive au temps du soir. Hij was aan het wachten op de tijd van de avond. Je parle pas d'une journée de 24 heures. Ik spreek niet over een dag van 24 uur. Mais je parle du planning de Dieu. Ik spreek over de planning van si Dieu. Jésus était venu immédiatement. Als Jezus meteen was gekomen. Je vais vous dire ce qui allait se passer. Ik zal jullie zeggen wat er dan zou gebeuren. Il allait venir, Lazare est malade. Hij zou gekomen zijn, Lazare is ziek. Lazare est dans la maison. Lazare is in het huis. Il est allongé. Hij is daar en hij est souffrant. Hij leidt. La famille sait que Lazare est malade. En de familie weet dat Lazare ziek is. Peut-être que les voisins savent aussi que Lazare est malade. Misschien weten de buren ook dat Lazare est là. En het blijft daar. Jésus viendrait. Jezus zou komen. Où est Lazare? Waar is Lazare? Il est là. Hij is daar. Il est malade. Hij is ziek. Sois guéri. Hij gaat zeggen, wees en Lazare est guéri. En Lazare is genezen. Combien de gens sont informés? Hoeveel mensen zijn er dan geïnformeerd? La famille et les voisins. Est-ce que vous avez compris? Combien de gens sont informés? Hoeveel mensen zijn er dan geïnformeerd? Oh, le Dieu qui vient le soir. De Heer die in de avond. C'est un Dieu qui peut laisser ta situation pourrir. Het is een Heer die zelfs je situatie peut laisser ta situation pourrir. Hij kan je situatie laten verrotten. Il peut laisser ta situation pourrir. Hij kan je situatie laten verrotten. Pour que quand lui viendra. Wanneer dat hij zal komen. Ça ne soit pas seulement les gens de la famille. Enkel de mensen van de familie. Que ça ne soit pas seulement les voisins. Enkel de buren. Que ça ne soit pas seulement les villages. Enkel de dorpen. Seulement le pays, dat het niet enkel het land, que toute la terre sache que Jésus-Christ a ressuscité. Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas une guérison, mais c'est une résurrection. Maar het is een résurrectie. C'est ça le mystère du soir. Dat is een mysterie van de avond. Donc si tu trouves que ton problème traîne, dus als je vindt dat je probleem ce n'est pas que ton Dieu t'a oublié. Dat je Heer vergeet. Il n'oublie jamais ses enfants. La Bible déclare. La Bijbel verklaart. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. De hand van de Heer is niet te kort om te agir. Ni ses oreilles trop dures pour entendre. Aïe, la canaille. Mais il viendra au soir de ta vie. Hij zal komen in de avond van je leven. Histoire de ta vie. Om het verhaal van je leven te veranderen. C'est comme ça que Jésus agit. En het is zo dat Jezus in werking treedt. Quand vous lisez la suite du verset. Wanneer jullie het vervolg van de vers lezen. Quand Jésus arrive dans le tombeau. Wanneer dat Jezus daar komt voor. Hij zegt, waar hebben jullie hem geplaatst? Seigneur, zegt Heer, il sent déjà. Hij stinkt al. Cette odeur là, die geur, y a situation pourrie. Van een verrotte situatie. N'est-ce pas ce que tu es en train de vivre? Is het niet wat je aan het meemaken bent? Les gens commencent à sentir ta présence avant que tu arrives. Mensen ruiken al dat je aan het aankomen bent. Ah, frère Wanabal Radiwan. Hij zegt van, ah ja, die broeder die niet trouwt. Oh, frère Wanabal Radiwan. Ah ja, die zuster daar die niet trouwt. Oh, de Guanaku die Kambuesa, mais Guanaku. Ah ja, die broeder. Ton odeur se répand autour de toi. Tu sens dat les gens commencent à se rendre par rapport à ton problème. Mensen zijn al een les gens te regardent en sentent l'odeur. Mensen ruiken het al, ze ruiken de geur al. Gloire soit rendue à Dieu. Maar glorie wordt teruggegeven aan onze Heer. Jésus est allé dans les tombeaux. Want Jezus Christus is naar zijn graf geweest. Quand vous lisez les versets de la résurrection. Wanneer dat jullie de vers lezen van de resurrectie, Jezus zei niet. Sort. Hij zei niet, kom eruit. Quelqu'un m'entend? Luister iemand. Jésus n'a pas dit seulement. Sort. Hij zei niet, kom eruit. Jésus est allé dans les tombeaux. Hij is naar het graf geweest. Daar waar men de morts. Daar waar men de doden begraven. Jésus savait qui il était allé chercher. Jezus wist wie hij gaan zoeken. Jésus a précisé. Jezus heeft de nadruk. Lazare. C'est Lazarus. Lazare. Lazarus. Il est question de ta situation. Het is een vraag. Het is kwestie van uw situatie. Jezus soyez binga. Jezus ils sont entrés dans les tombeaux. Ze zijn veel in het graf. Il est venu chercher Lazare. Lazarus komen zoeken. Ton Dieu viendra te chercher même dans ton sommeil. Hier zal hij zelfs komen zoeken, zelfs in même si ça pourrit 4 jours après. Dan zal hij het verrot. Il viendra te chercher dans ton profondeur. Hij zal u in uw diepte komen zoeken. En daar t'appellera par ton nom. En daar zal hij u bij uw naam roepen.
la famille de Lazare lui avait déjà donné un autre nom. De familie van Lazarus had hem al een andere naam gegeven. De dode. Ebembe. Men zegt net in de plek. Hij is al dood. Hij stinkt al. Seigneur, Heer. Ce n'est pas bon que tu ailles, ça pue. Het is niet goed dat je daar gaat. Het stinkt al. Vous ai-je pas dit? Heb ik jullie niet gezegd? Que je suis la résurrection. Opstand. Et la vie. En het leven. Qui parle croit en moi. Vivra. Zal leven. Vivra. Zal leven. Je suis la vie. Ik ben het leven. Ta situation vivra. Une situatie zal tu reprendras la vie. Je zal terug het leven nemen. Rappelez-vous. Que c'est le même Dieu qui a ramené les ossements desséchés à la vie. Le même Dieu d'Ézéchiel qui a ramené les ossements desséchés à la vie. Saint-Esprit, merci. Heilige Geest, dank u. Le mystère du soir. Le mystère van de avond. Alors, bien-aimé. Geliefde. Tu es soir de ta vie. Ben jij in de avond van je leven? Tu as perdu espoir. Heb je je hoop verloren? Tu es fatigué de te battre. Ben jij moe om te strijden? Begin je al te wanhopen? Ne t'en fais pas. Maak je geen zorgen. C'est le soir. Het is de avond. Et ton Dieu est là. En uw Heer is daar. C'est ton soir. Dat is uw avond. Ne rate pas ton soir. Je moet uw avond niet missen. Saisis ton soir. Grijp uw avond. Et Seigneur. En zeg Heer. Je crée la foi. Heer, ik creëer het geloof. Comme cette femme avait touché le bord de ta robe. Zoals die vrouw. Je crée la foi. Comme voelen, ik kom dans le livre des Zacharie, il est écrit. Vers le soir, le soleil apparaîtra. Naar de avond zal de zon opkomen. Je sais que mon miracle est là. Ik weet dat mijn mirakel er is. Lèvons-nous dans le Seigneur. Laten we recht staan. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tant que tu comptes sur toi, sur tes capacités. Je rekent op je capaciteiten. Dieu n'agira pas. Zal de Heer niet in werking treden. Mais quand? Maar wanneer, tu ne pourras plus compter sur toi-même. Wanneer je niet meer kan rekenen op jezelf. Et que tu seras au soir de ta vie. En je gaat in de avond zijn in de wanhoop. Et que tu placeras toute ta foi dans le Seigneur. En je gaat al je geloof. Et que tu diras Seigneur, viens à mon secours. En je zegt de Heer, kom mij te hulp. Tu verras le miracle de ta vie. Dan zal je de mirakel van je leven zien. Comme Lazare. Zoals Lazarus. Comme Anne. Zoals Hanna. Comme Jean-Baptiste. Zoals Johannes de Doper. Comme Abraham. Zoals Abraham. Comme Jacob. Zoals Jacobus. Tous ces gens qui ont vécu le miracle de ta vie. Al die mensen die miracles in hun leven hebben. Tu vivras le miracle de ta vie. Jij zal de mirakel van je leven hebben. Alléluia. Conduisez-nous dans une belle mélodie encore. Elia. Alléluia. Elia. Pendant ce moment, tu pries. Elia. Pendant ce moment, élève ta voix avec puissance. Lève ta voix très fort aujourd'hui. J'attendrai, Seigneur. J'attendrai. Yes. Jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'entends Elia. Elia. Het is een kwestie van de avond. Il est question du crépuscule. Het is een kwestie van de avond. Il est question du désespoir. Het is een kwestie van de wanhoop. Il est question de manque d'espérance. Het is een kwestie van les situations se sont tellement détériorées. De situaties zijn zo veel. C'est tellement abîmé. Het is al zo slecht. Il n'y a plus de solution. Dat er zelfs geen oplossing is. C'est le moment. Nu is het moment. 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 C'est maintenant que le Seigneur choisit. Nu is het moment dat de Heer gekozen heeft. Pour te visiter. Om u te bezoeken. Prie, je te laisse le temps de prier en foi de Dieu. Bid, ik laat u de tijd om te bidden.
Reverse ton cœur devant l'Éternel. Parle à Dieu. Alléluia. Bonsoir. Père le soir. Père le soir. Chanter ces refrains en a cappella à toute l'église. C'est ta prière. Cette mélodie, c'est ta prière. Deze mélodie is uw gebed. Allons-y ensemble. Elia, 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 Elia. Zet uw rechterhand op uw hoofd. Seigneur Jésus. Voici ton peuple réuni ici qui vient d'entendre le mystère du soir et je viens te le confier. Heer, uw volk heeft naar de mystère. La foi qui vient de naître dans le cœur maintenant. Het geloof dat in hun hart is geboren. La foi qui vient d'exploser dans le cœur maintenant. Het geloof dat uitgebarst is in hun hart. Grâce aux révélations de ta parole. Door de revelatie van uw woord. Nous venons avec cette foi devant toi, Heer, Seigneur. Wij komen met het geloof voor jou. Selon qu'il est écrit. Volgens er staat geschreven. Selon qu'il est écrit. Volgens wat er staat geschreven. Tu es les consommateurs, de notre foi. Viens manger de notre foi, Seigneur. Viens manger la foi. Viens consommer la foi de mon frère. Viens consommer la foi de ma soeur. Et que cela produise des miracles. Au nom de Jésus. C'est pour ça que tu avais dit. Het is daarom dat je had gezegd. Qu'il te soit fait. Dat het gedaan wordt. Selon ta foi. Volgens je geloof. Qu'il te soit fait. Dat het gedaan selon wordt. Selon ta foi. Volgens je geloof. Au soir de ta vie. De avond van je leven. Jésus-Christ est venu. Jezus Christus is gekomen naar jou toe. Au soir de ta vie. De avond van je leven. Jésus-Christ est venu. Jezus Christus is gekomen. Pour t'apporter ta solution. Om je oplossing te brengen. Père, que ta grâce coule en ce moment. Vader, dat uw gunst stroomt op dit moment. Et que ce que ton peuple a reçu en dat wat uw volk heeft soit ontvangen, conservé jalousement sous une onction particulièrement. Dat het behouden volgens een zalving van au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Bedank u, Heer. Bedank u, Heer. Parce que notre Dieu a agi. Want onze Heer parce que notre Seigneur a agi. Heeft iets gedaan. Remercie le Seigneur. Laten we de Heer bedanken, want hij was goed voor ons. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Merci Éternel pour les guérisons et les guérisons.
Et tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.